Transformation d'Abel. AN et BN de suite complexe. Quand UN, quand BN ainsi défini. On cherche à exprimer quand UN en fonction des AK et des grands BK. On a ceci pour K supérieur ou égal à 1, que je remplace dans UN. Je regroupe les BK. C'est la transformation d'Abel. Le résultat est le suivant. Si cette série converge, et si cette suite possède une limite, alors la série U converge. Un cas particulier, c'est si les AN sont réels, décroissants et de limite 0, et si la suite des modules des BN est majorée. Alors la série AKBK converge. En effet, les BN sont bornés en module, AN tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Et cette série converge absolument. Ce terme est positif. Par exemple, un exemple classique, c'est cette série A tilde qui converge. Un peu moins classique, cette série est convergente. En effet, on pose AK ceci, BK ceci. AN est bien une suite de réels décroissants et de limite 0. Et on sait que la somme de K égale à 0 jusqu'à N des cosinus KX est égale à ceci, fait dans un exercice plus haut. Alors BN, qui démarre à K égale 1, donc c'est pour ça que j'enlève le 1 ici. Quand on pense en valeur absolue ici, je majore ceci par 1, et moi ceci, constante, qui ne dépend pas de n. Donc cette série est bien convergente.